Avant qu'on réponde, il y avait une question dans le chat qui était « Bonjour, est-ce que ça éditionne ici ?» Ça éditionne beaucoup puisqu'on est dans le bureau du GA Édition, qui est la maison d'édition pluridisciplinaire du site. Alors moi, je suis Julie Sorba. Qu'est-ce qu'on fait dans cette maison d'édition ? Ben, je suis d'abord la directrice scientifique. Alors à côté de cette direction scientifique, au départ, je suis quand même enseignant-chercheur en sciences du langage. Oui, donc parce que fais de la recherche dans un laboratoire en sciences humaines et sociales. Ouais, parce que ça, c'est un peu une spécificité à l'université, c'est que c'est une institution qui est gérée par les enseignants-chercheurs. Donc, tous les postes de responsabilité qui sont sur d'autres missions sont aussi gérés par les enseignants-chercheurs. Et du coup, il y a une forme de multicasquette, souvent, et que tu représentes bien, de ce que j'ai cru comprendre, mais on va en parler. Ouais, du coup, vas-y, je te laisse. Alors, donc moi, je fais de la recherche en sciences du langage au laboratoire LIDILEM, qui est un laboratoire qui s'occupe de linguistique et de didactique des langues étrangères et maternelles, donc toutes les langues du monde, y compris le français. Et LIDILEM, c'est un laboratoire, c'est ça, c'est son acronyme. Linguistique et didactique des langues étrangères et maternelles. Ok, c'est bien. Et puis l'IDILEM, c'est pas mal. On va en avoir beaucoup des acronymes, mais il y en a qui sont moins fluides. Oui. Celui-là est très fluide. Ouais. Ah oui, on a essayé d'être transparent. Le laboratoire, il y a 35 ans. Le laboratoire a eu 35 ans l'année dernière. Même. Donc c'est un laboratoire qui s'occupe de linguistique, c'est-à-dire tout ce qui touche à la langue et au langage. Ouais. On s'occupe des productions écrites, des productions orales, de l'acquisition du langage, de l'analyse du discours. De l'histoire de la langue, ce qui est ma spécialité. D'accord. Je travaille sur l'histoire de la langue française il y a très très longtemps. Moi je suis historien, donc très très longtemps. Ok, quand on faisait du latin. Très très longtemps, il y a du latin. Puis j'ai même fait une thèse sur des choses qui étaient même avant la constitution indo-européenne. Okay. Donc bon, ça touche à des hypothèses du langage dans la préhistoire, donc ça c'est encore autre chose. Ok, donc comment. Oui, parce que je sais pas si vous avez dans le chat, vous avez le truc, mais la différence entre histoire et préhistoire, c'est que histoire, c'est le moment où l'écrit commence. Voilà, donc on peut raconter l'histoire. 3500 à peu près chez les Sumériens. Voilà. Et puis la préhistoire, c'est quand il n'y en a pas. Donc se poser la question effectivement du langage quand on n'en a pas de traces écrites. C'est ce qui a beaucoup intéressé les philologues et les premiers linguistes fin du 19e, première moitié du 20e siècle, qui sont posés la fameuse question de l'indo-européen. Tout le monde a entendu parler de l'indo-européen, sans savoir ce que c'est. Ouais. Et l'idée, c'était de partir des langues attestées, justement, dans l'histoire, les plus anciennes, le sanskrit, le latin, le grec, et d'essayer de remonter comme ça, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des ressemblances dans ces langues-là qui étaient très éloignées, parce qu'entre l'Inde, la Grèce et l'Italie, il y avait certes des circulations, mais c'était quand même des circulations qui n'étaient pas de... Même encore aujourd'hui, ça fait une petite preuve. Voilà. Et on y allait à pied ou à cheval. Hein, donc. Ouais. Et donc, on s'est rendu compte, c'est Sir William Jones qui s'est rendu compte, qui était un Britannique en poste aux Indes au XVIIIe siècle, qui s'est dit, tiens, il y a quelque chose là. Il y a une parenté, il a appris le sanskrit, connaissait le latin et le grec comme tout bon érudit européen au XVIIIe siècle. Et il s'est dit, il y a quelque chose, il y a une ressemblance, et c'est à partir de ce moment-là où on s'est posé des questions sur cette fameuse langue commune, parce qu'on a postulé l'existence commune de l'homme, donc on s'est dit, allons-y, la langue doit être commune. Voilà. Ouais, okay. Donc, en tout cas, pour la partie Europe-Asie. Voilà. Ouais, okay. Et donc, voilà, donc, ça, c'était les questions avant l'histoire. On parlait d'édition. Ah, oui. UGA édition. Alors, UGA, c'est Université Grenoble-Alpes. Voilà. C'est une université, pourquoi qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi alors, il y a des presses. Dans le monde universitaire, le principe même de l'université, enfin, là, une des missions fondamentales, il y en a deux, c'est la formation et la recherche. Donc nous, on est à la croisée de ces deux formations parce que les chercheurs ont besoin de publier leurs résultats de la recherche. Ouais. Donc une maison d'édition propose des supports pour publier de la recherche, que ce soit des revues en ligne. On en a 14 dans notre catalogue qui sont des revues scientifiques avec une solide expertise qui est faite par les pairs. C'est notre principe de fonctionnement dans la recherche universitaire. C'est-à-dire que ce sont les pairs qui expertisent les écrits d'autres pairs et qui donnent le feu vert pour la publication, qui demandent des modifications. Et puis, nous avons aussi des livres qui publient de la recherche, alors particulièrement en sciences humaines et sociales, parce que les STS, les sciences et techniques de la
santé, qui sont ce qu'on appelle les sciences dures, les sciences expérimentales, voilà, les sciences de la nature. Vous connaissez le truc, sciences dures, sciences molles, voilà. Ou en tout cas, les sciences de la nature ou les sciences expérimentales, ouais, comme on les appelle aussi avec nos collègues, eux ne publient pas de livres, mais uniquement dans des revues. Ouais. Donc, on s'est dit, on ne peut pas laisser de côté cette partie de l'université qui fait de la recherche en STS, en sciences et techniques et en santé, mais les livres ne sont pas adaptés pour la recherche. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a des collections de médiation scientifique. Il y a eu une interview avec Marie-Christine Bordeaux que tu m'as envoyée. Et donc, ça, c'était l'année dernière à la STS. Et Marie-Christine Bordeaux, elle est spécialisée dans la médiation culturelle. Ouais. Donc, à UG Édition, on publie des livres de médiation scientifique qui sont adressés à un grand public, mais qui s'appuient sur les archives de la recherche, qui sont écrits par des chercheurs, qui se lancent dans une entreprise de médiation scientifique et dans laquelle on les accompagne. Parce que c'est pas évident pour un chercheur qui a l'habitude de publier de la recherche, de s'adresser à ses pairs, d'un coup de changer de public. Ben, oui. Et il y a un autre public, et qui là permet de rejoindre l'autre mission de l'université, qui est la formation. Et donc l'autre public, ce sont les étudiants et les formateurs et les enseignants. Et on publie des ouvrages de pédagogie qui sont adressés des manuels, à des manuels. Et alors visiblement, le chat aime bien les chiffres. Combien d'ouvrages par an? Alors là, on est sur une vingtaine. L'objectif est de monter, alors des ouvrages, alors juste des ouvrages, hein, pas les revues. Les revues, on en a 14, 25 numéros de revues par an. Ça tombe bien, j'ai tous les chiffres que vous voulez. J'ai présenté mon bilan à mon comité éditorial la semaine dernière. Parfait. Donc, et bien, considère que c'est le comité éditorial. Donc, on publie une vingtaine d'ouvrages par an. L'objectif pour cette année et les années suivantes a été monté à 25 parce qu'on a de nouveaux manuscrits de grande qualité qui sont arrivés. Okay. Et donc, on va pouvoir assurer le suivi de la production. C'est un service qui est composé de 12 personnes. Okay. Et sur ces 12 personnes, j'ai 5 chargés d'édition dont c'est le cœur de métier que de fabriquer du livre à partir du manuscrit transmis par l'écrivain, alors l'écrivain, l'auteur, qui est le chercheur à chaque fois. Du coup, on parle souvent de SHS, donc sciences humaines et sociales. Je sais pas, le chat, est-ce que vous avez, est-ce que vous pouvez nous dire des disciplines. Mettez dans le chat, on a des disciplines qui composent les SHS, puis on vous dit si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est important parce que, non, mais pour nous, tu vois, c'est un truc qui est... avec lequel on vit, et qu'on connaît, mais c'est pas... Moi, je me rends compte avec les étudiants que c'est pas toujours clair, tu vois, les SHS. Oui, puis même dans la communauté des enseignants-chercheurs, moi, j'ai une collection qui est histoire, géo, on est bien. Ça, pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Économie, je dirais, très bien. Ensuite. Après, il y en a qui peuvent être un peu pièges. Kilo. Après, Tao, Il en bouffe. T'es à l'arche, non? Je crois que c'est un étudiant de sciences humaines appliquées. Il est en train de dire que c'est mal. Voilà, c'est un chat qui est très bien. Je triche pas. Tu triches pas. Tu fais l'expérience de l'interdisciplinarité en SHS, tout simplement. Ce qui est important, ce que je disais par rapport aux autres collègues, c'est parfois on a tendance à réduire les SHS au volet académique, justement. La psychohistoire, non, tu sors là, ça va pas. La psychohistoire, non, c'est bon. La science-fiction, c'est de la littérature. Et ça fait partie des SHS. Ah, parce que psychohistoire, c'est une. Psychohistoire, c'est dans Fondation, c'est ça, si je me trompe pas. Ah, il y a une connexion là, du coup. C'est Asimov. Ok. J'adore la science-fiction aussi. Ouais, parfait. Bah là, il y a un truc, quoi. Socio-psycho. Oui, socio-psycho. Psycho, après psychoclinique. Alors, psychoclinique, ils sont dans mon périmètre. Par exemple, le laboratoire LPNC, qui fait des neurosciences, ils sont dans le périmètre des SHS. Ok, d'accord. Donc, moi, j'ai une conception large où on a vraiment toutes. Enfin, pour faire simple, on a les STS, qui sont les sciences de la nature, qui vont s'intéresser à la nature, et les SHS, qui vont s'intéresser à l'homme dans toutes ses interactions verbales avec son milieu. Donc, ça permet d'englober tout. Toutes les disciplines qu'on pourrait se dire, ah ben oui, c'est art, lettres, langue, parce qu'on a des domaines académiques qui SHS, c'est un domaine académique de formation qui est restreint, qui est beaucoup plus restreint par rapport à la recherche. Ouais. Parce que tu as l'économie, gestion et droit, ça fait partie des SHS, parce que l'homme qui est dans son environnement juridique, il interagit avec l'autre et il tombe sous le coup de la loi et on va rédiger des textes de loi, on va étudier. Donc ça fait partie des SHS aussi. Ouais. Donc moi, je m'occupe vraiment. De tout ce qui est droit, économie, gestion, sciences humaines et sociales, arts, lettres, langues. Ouais. Et en revanche, je laisse mes collègues qui s'occupent de la nature et de l'abstraction mathématique dans les STS. Bah oui, bien sûr. Ce qui n'en passe pas. Qu'est-ce que Julie enseigne? Julie enseigne les. Alors,
les diplômes dans lesquels j'enseigne, c'est les diplômes de sciences du langage. Sciences du langage, c'est on s'intéresse au langage, à la langue dans toutes ses applications. Moi, plus particulièrement, je travaille ce qu'on appelle en linguistique de corpus, c'est-à-dire que je constitue de grands ensembles textuels. Je travaille sur de l'écrit, je ne travaille pas sur de l'oral. Moi, j'ai des collègues qui travaillent sur l'oral, ouais. C'est pas mon cas. Donc, je travaille sur de l'écrit. Donc, je constitue des grands ensembles de textes. Et ensuite, j'explique aux étudiants quels sont les principes pour construire un corpus, parce qu'un corpus n'est pas un sac de mots. Oui. Tu rends pas en vrac, tu prends pas tout le web en disant je fais un corpus, c'est le web. Mmh. Non. Ça dépend des phénomènes qu'on veut observer. Si on veut observer des phénomènes sur le temps long, des évolutions de mots, des évolutions de sens, des évolutions de structure syntaxique, par exemple, comment est-ce que d'un coup on part du latin où il n'y a pas d'article et on arrive en français où il y a un article. Mmh. Il faut que j'ai des textes dans lesquels je puisse étudier ces phénomènes. C'est un exemple tout simple que je donne aux étudiants. Si vous voulez étudier l'évolution du lexique de l'informatique, vous prenez pas les contemplations de Victor Hugo dans votre corpus. Ça a le moyen. Voilà, c'est-à-dire qu'on trouvera pas ce qu'on cherche. Voilà, c'est ça. Donc, et est-ce que du coup, quand tu choisis ton corpus, il y a aussi une notion de représentativité? Ah, mais c'est fondamental, ouais. La représentativité. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut rendre compte? Alors ça, c'est les premiers linguistes de corpus, notamment nos amis anglo-saxons, qui veulent absolument rendre compte de la langue. Gros problème. Okay. Donc, gros problème, parce que la langue, elle est tellement variée dans ses différentes productions qu'on prenne l'argot, qu'on prenne la langue politique, qu'on prenne la langue administrative. Ou la langue sur Twitch, hein, vous avez votre la langue sur Twitch, voilà. Ou les SMS. Mmh. Ça va être compliqué de faire un corpus représentatif. Ouais. En revanche, ce que j'essaye de faire, moi, d'expliquer aux étudiants, c'est qu'on construit des corpus à l'intérieur d'un genre ou de plusieurs genres textuels. Ouais. C'est-à-dire, on peut prendre un genre journalistique. Là, on a un reflet de la langue journalistique, d'un état de langue, qu'on peut comparer avec un autre état de langue qui serait une langue plus littéraire, ouais. Ou une langue de discours politique, ou une langue, je sais pas moi, d'interaction orale pour les collègues qui travaillent sur l'oral. Et à partir de ces différents éléments, on va pouvoir dire dans tel état de langue, voilà les phénomènes que j'observe sur le temps long, sur le temps court, et je peux les comparer avec d'autres corpus pour avoir une idée de comment fonctionne la langue à l'intérieur d'un ensemble qui est homogène. Ça pose la question de la représentativité. Ouais. Voilà. Okay. Donc ça, j'ai des cours là-dessus, puis après j'ai des cours de linguistique historique où on explique l'évolution de la langue. Du passé vers le présent, quels sont les différents fonctionnements, création, disparition, voilà. Ok, et du coup, tes étudiants, ils se destinent vers quoi alors, qu'est-ce qu'on a cherché dans les écrits? Pourquoi le... Alors, c'est quoi le... Le circonflexe A, ouais, remplacer le S dans le français, par exemple. Le circonflexe A? Ah, le circonflexe. Et pourquoi le A circonflexe remplacer le S dans le français? Un exemple pour que j'essaye de répondre à la question parce que je ne comprends pas la question. Pourquoi on dit hôpital plutôt que hospital? Mais c'est pas un A, donc c'est un O là. Ah, mais c'est le circonflexe. Le A, pardon, c'était un misclic. C'était un misclic. Ok, alors, donc circonflexe. Alors, attends, alors ça, c'est une excellente question. Parce que. C'est bravo. Il est avant ça. Parce que en linguistique, ce qui nous intéresse avant tout, c'est surtout le comment. On ne fait pas comme la philo avec le pourquoi. Nous, on s'intéresse au comment. C'est-à-dire, on décrit des phénomènes pour se dire on est passé de quel stade. Alors, pourquoi on est passé du stade hospital, hospes, hein, c'est le en latin, c'est l'hôte, à hôpital avec un accent circonflexe. Il y a un moment, le S, il a disparu. Pourquoi il a disparu? Alors, quand on travaille sur la langue contemporaine, on va interviewer les locuteurs. Oui. On a les réponses. Mais quand ils sont morts depuis plusieurs millénaires, on peut pas savoir. On ne peut faire que des hypothèses. Alors, mes collègues avaient fait, la première moitié du 19e siècle, il y avait une grande théorie qui était le relâchement articulatoire. Comme l'homme est fainéant par nature, il va avoir tendance à aller vers plus de facilité, et puis le S, c'est trop compliqué, on relâche. Voilà. Façon d'interpréter qui ressemble bien au début du siècle, voilà. Donc, mais globalement, nous, on s'intéresse plutôt au comment que les phénomènes s'enchaînent, fonctionnent dans le temps, plutôt qu'au pourquoi, parce que le pourquoi restera toujours inaccessible, même si c'est ce qui motive toute question, c'est de savoir pourquoi. Oui, puis les changements sont toujours un peu complexes. Ah, mais les changements sont multifactoriels. C'est des habitudes, c'est des prononciations, c'est dû aussi. On a des changements qui sont impulsés par des pratiques de cours aussi. Parce que on va articuler de manière plus ou moins. Parce qu'il y a quelqu'un à la cour qui va avoir une articulation plus ou moins différente des autres, et par mimétisme, on va faire. Oui, donc il y a des habitudes qui peuvent changer aussi par différenciation. On se dit, pour se différencier, je parle. Alors, il y a des phénomènes de remotivation. Il y a une remotivation courante qui est faite à l'heure actuelle, dans la pratique contemporaine. Souvent, les gens disent infractus au lieu de infarctus. Ah, ouais, moi je veux dire. Non, mais non.
Hein, c'est comme alors, l'aéroport. L'aéroport, je peux expliquer aussi. Infarctus, ça vient d'un verbe latin, farcio, qui veut dire farcir, hein, quand vous faites des farcis, cuisine, un verbe culinaire. Ah ouais. Donc quand vous faites un infarctus, c'est que ton artère, elle est bouchée par du gras, globalement. Elle est farcie. Elle est farcie. Ok. Sauf que quand tu viens d'avoir, t'as l'artère farcie, quoi. T'as l'artère farcie, c'est okay, ça. Ok, très bien. On est, ça vous va le chat, là, c'est bon? sauf que quand tu fais un infarctus, il y a une rupture, tu meurs, en gros, hein. Ouais, donc, on peut dire, il y a une assimilation avec d'autres types de risques et de blessures qui sont les fractures. Et donc, tu fais un infarctus. Une fracture du cœur. Mais un cœur n'étant pas un os, c'est compliqué. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Okay. Donc, alors, aussi, on peut s'intéresser en tant que linguiste sur ce qu'on appelle des remotivations, comme ça. Voilà. Ok, d'accord. Alors, et pourquoi? Parce que, on se dit, parce que pour le locuteur, c'est encore une hypothèse, hein. Le locuteur, il s'est dit rupture, mort, donc fracture, infractus. Oui, surtout que comme la connaissance du latin n'est pas. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave, ouais, on sait pas ce que ça veut dire. Oui, non, c'est on pas on grave. Sait pas que c'est parti, quoi. Voilà, c'est donc ça. On trouve un signifiant ailleurs, quoi. On va remotiver par rapport à ce qu'on connaît de la langue. Ok, d'accord. Je pensais quand tu disais remotivation que c'était genre, on reprend un sens un peu plus passé et on se réapproprie, mais non, pas du tout. La remotivation, c'est-à-dire qu'on redonne du sens à quelque chose qui n'en a plus. Qui n'en a plus, ouais. Ok, voilà. Ok. Pour soi, parce que c'est devenu opaque. Ok. Il y a des mots qui sont devenus opaques dans la langue et qu'on ne comprend plus. Ouais, bah oui. Mais c'est dit, ouais, il faut se poser des questions. Si ça te donne faim qu'on parle d'artère farcie, bon, ben voilà. Sinon, les courgettes et les tomates farcies, c'est très bon. C'est autre chose. Voilà, c'est pas la saison, de toute façon. C'est autre chose, voilà. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions, justement, question, je pense à ça. Vas-y. Parce qu'on parlait d'hôpital tout à l'heure, mais on dit toujours hospitalité. Oui, alors, la grande question, c'est. Alors, il y a deux choses là. On est dans l'histoire de la langue, on se retrouve avec ce qu'on appelle des doublés. Il y en a plein, hein. Il y a aquatique et eau, hein. Pareil. Hein. Oui, c'est vrai. Et ça vient du même étymon. Voilà. Donc, non, ça vient du même étymon, okay. Pas du tout. On a une évolution, la langue, elle évolue naturellement et il y a des modifications comme la perte du S et on garde la trace du S avec l'accent circonflexe. Voilà. Oui, alors il y a plein d'autres modifications qui font disparaître la transparence du mot. Eau, ça vient du latin aqua. Et à quoi a donné O en français, mais aussi a donné Aix dans tous les toponymes que vous connaissez, Aix en Provence, Aix-les-Bains. Ah, ok. Ça, alors, sauf que ça vient pas, ça vient du pluriel, Aix, ça vient du latin aquas. Ok. Et que O vient pas du pluriel, ça vient du singulier. Ok. Bref. Donc, vous voyez, c'est absolument pas transparent. Aix-O, vous le savez pas, ça vient pas du même étymon. Mmh. Donc, ça, c'est la langue qui évolue naturellement dans le temps long. Et à un moment donné, à la Renaissance, vous avez tous entendu parler de Ronsard et de sa Pléiade, il y a eu un retour vers le latin et le grec. Okay. Ils ont voulu remettre à l'honneur le latin et le grec tout en affirmant l'indépendance de la langue française. Il y avait ce double mouvement. Donc, on veut vraiment la langue française, elle soit mise sur le devant de la scène pour écrire des productions de qualité, mais on n'abandonne pas le latin et le grec. Et il y a eu tout un tas de mots qui ont été créés, notamment dans la science qui était émergente, en tout cas les pratiques expérimentales et scientifiques, où on a pris plein de mots latins et on a formé directement au XVIe siècle des mots sur ces étymons. Donc, ce qui fait que à quoi on a pris pour eau, pour ce qui est relève de l'eau, on a pris à quoi. Et donc, on a commencé à avoir des coexistences de formations, ce qu'on appelle les formations populaires, c'est-à-dire qui ont évolué naturellement dans l'histoire de la langue, avec des formations savantes qui ont été recréées à l'époque. Okay. Et ce qui explique pourquoi on a à quoi, eau, hospitalier, hôpital, etc. Okay. Est-ce que c'est le même phénomène avec les anglicismes, par exemple? Alors, les anglicismes, ça relève de l'emprunt. Là, on est sur autre chose. Il y a eu les grandes périodes d'emprunt, ça a été à partir de la colonisation de l'Amérique du Sud et des phénomènes de... Okay. Enfin, quand les Espagnols sont allés en Amérique du Sud, ils ont ramené plein de mots, donc chocolat, tomate, okay, voilà. Okay. Et nous, on a récupéré ces mots-là en français. Donc, à partir du 15e, 16e siècle, on a des emprunts qui sont venus progressivement dans la langue. Pas les mêmes, pas aux mêmes périodes. Ouais, okay. Les anglicismes sont plus tardifs parce que au départ, c'est quand même le français. Oui, c'est pas la langue dominante, l'anglais. C'est pas la langue dominante, l'anglais. Ouais, et puis c'est surtout le français qui faisait partie de la cour d'Angleterre. Ouais. Et donc le français qui était introduit en Angleterre et les Anglais empruntaient des mots français. Ok. Guillaume le Conquérant, enfin là, ça remonte au 12e. Mais Il y a eu quand même un prestige du français pendant très longtemps dans les cours européennes. Ok. Et c'est quoi les contre... Salut The Voyageur, salut Valsep. Mais je me disais, avant de prendre la question de qu'est-ce que t'en dis, en gros, est-ce qu'il y a un mot pour les contre-anglicismes? Parce que je sais que, par exemple, il y a, je sais pas, 15 ans ou 10 ans, le dictionnaire Académie française avait créé de nouveaux mots pour remplacer les anglicismes, comme j'ai souvenir de bolidage.
pour le tuning. Il y en a plein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe au niveau ministériel des commissions de terminologie et de néologie qui publient dans le journal officiel régulièrement tous les mois des préconisations de traduction, notamment à destination des filières d'enseignement, des filières techniques qui se retrouvent ensevelies sous un tas d'anglicismes. On pourrait en faire pour Twitch, hein, parce qu'on est enseveli par un tas d'anglicismes sur Twitch. Bon, après, c'est un choix. Est-ce qu'on veut faire vivre la langue française ? Parce que c'est aussi une manière de se dire, le français a toutes les ressources en sa possession pour exprimer les concepts qui sont exprimés par l'anglais. On peut fonctionner avec des emprunts, on en a plein. Hein. Je veux dire que vous preniez des emprunts opéra en italien, week-end en anglais. Ouais. C'est des emprunts qui ont été complètement lexicalisés, qui sont rentrés dans notre langue. Dans notre langue et dans notre usage. Ouais. C'est un fait. Très bien. Après, est-ce qu'on peut aussi se dire qu'on veut trouver des traductions pour des mots anglais et qui pourraient rentrer dans la langue ? Ça, c'est un choix qui est fait. Les propositions, elles sont faites par les commissions de terminologie, elles sont publiées au journal officiel régulièrement. Mmh. Et les enseignants, les formateurs s'en emparent ou pas. Ouais. Et ouais, ça permet de faire évoluer la langue. Parce que rien de pire qu'une langue qui ne vit plus, qui n'emprunte plus, qui ne cherche pas à créer des mots. Oui, la néologie, c'est la condition même de la langue, de la vie de la langue. Alors, okay. On a un beau laboratoire à Grenoble. Il y a deux laboratoires en France qui s'occupent de dialectologie. Parce que c'est évidemment, c'est un domaine de recherche scientifique. Il y a un laboratoire au Grenoble qui est une partie du Gipsa Lab, qui est un gros laboratoire qui fait du traitement du signal, mais qui a une étude, qui a une unité sur la dialectologie, et Nice. Donc sur Nice, ça s'explique mieux, hein, parce que c'est à côté. Oui, oui, oui. Donc, bien comprendre que le patois, c'est une langue dans laquelle on ne peut pas tout dire. C'est-à-dire que c'est une langue incomplète, imparfaite, dans laquelle on ne peut pas tout dire, parce que le principe d'une langue, c'est qu'on peut tout dire avec. OK. Voilà. Sinon, ce n'est pas une langue. Mmh. Et la différence entre langue et dialecte, c'est une différence de statut politique. Le dialecte et la langue sont complètes sur le plan de la capacité à dire le monde et à tout dire. On peut tout dire avec un dialecte et avec une langue. Mais une langue, si vous voulez, c'est un dialecte qui a réussi socialement. Et qui est légitime. Qui est légitime, qui a été légitimé par le pouvoir, en gros. Hein. Oui, voilà, par les élites. Et en France, on est, alors j'ai plus le chiffre exact, mais on est sur une cinquantaine de langues, en dehors des langues de l'immigration qui ont été amenées par différents locuteurs de parties du monde, on est sur une cinquantaine de langues parler en France depuis plusieurs siècles. Ouais. Voilà. Le français standard qui est dans la Constitution, lui, il est parlé sur tout le territoire. Et puis après, vous avez des aires dialectales, que ça soit celle du Poitou, que ça soit celle du Nord. J'ai une étudiante en Master 1 qui travaille sur le Picard. Ok, d'accord. Voilà, sur le dialecte Picard. Okay. On en a qui travaillent sur l'aire du Provençal, c'est vraiment notre aire à nous. Voilà. Donc les dialectes sont étudiés en tant que tel. Alors le Corse. Et du coup ce qu'on appelle le Corse, c'est un dialecte de l'italien en fait. Ouais, ok. Et ce qu'on appelle patois, ce qu'on appelle patois parce que il y a eu un petit effort politique pour les transformer, enfin pour les qualifier de patois. Enfin si tu me dis si je me trompe. Mais parce que justement à des moments où on a voulu imposer le français comme langue unique. Mais tout ça par exemple, enfin. Je sais pas, par exemple, on n'est pas loin, on va parler du dialecte savoyard, je dirais, qui est, alors je me souviens plus, c'est dans le franco-provençal, il y a une histoire d'arpitan, donc je sais plus. On va rester sur franco-provençal, parce que l'anglais, c'est quand même pas mon domaine. Hein, on est d'accord. mais du coup, là, on parle souvent de patois dans le langage courant, mais finalement, c'est un dialecte. C'est ça. Ouais, ok. C'est ça. Bon, le patois, c'est la langue incomplète. Alors, c'est des langues qui ont été créées pour communiquer un ensemble de phénomènes, de données à l'intérieur d'une unité géographique, d'une communauté. Mais on ne peut pas tout dire avec. Ok, La définition qu'on peut avoir. Alors, c'est juste qu'il dit... L'anglais actuel anglaise est issue du français récent. Mon Dieu, mais non... 40%, ça paraît beaucoup, non ? Alors si, non, c'est pas 40% est issu, c'est que dans 40%, il y a effectivement des emprunts. Si, c'est pas beaucoup, c'est juste comme estimation. C'est qu'on a, moi j'étais sur une petite moitié, vous voyez, comme on a les Français avec Guillaume d'Orange qui sont allés s'installer à la cour d'Angleterre au XIIe siècle, le français est devenu langue de cour, donc langue de prestige, et une grande partie des mots français sont passés dans la langue anglaise. Notamment, il y a un exemple clair qu'on peut donner, que je donne aux étudiants, c'est le verbe surrender. En fait, ça c'est se rendre. Se rendre.
Ah ouais, j'avais jamais. C'est tout simplement, voilà. C'est-à-dire que eux, ils ont adopté, ils ont adapté leur prononciation à un certain nombre de mots français. Et ça, si ça intéresse les lecteurs, il y a une spécialiste française qui est très âgée maintenant et qui fait de très bons ouvrages de vulgarisation qui s'appelle Henriette Walter et qui a écrit sur l'histoire d'amour entre la langue anglaise et la langue française en poche. Ça s'appelle Onisois qui mal y pense. Ouh, voilà, elle part d'une devise anglaise et elle raconte toute l'histoire d'amour et de désamour entre la langue française et la langue anglaise sur le temps long depuis que le français et l'anglais existent. Voilà. Ouais. Ok, super, super intéressant. Du coup, je sais pas, sur tes, parce que là, c'est vrai que souvent, enfin, je sais, quand on, voilà, quand on vulgarise, souvent on vous emmène sur des sujets qui sont pas forcément les nôtres parce que voilà, les gens veulent des connaissances un peu larges. Est-ce que toi, t'as envie de nous parler spécifiquement d'un point sur tes recherches à toi, sur ce que tu travailles? Ou alors, je peux vous raconter un projet qu'on a à l'heure actuelle qui est en cours. Hein. Ouais. Alors, je travaille avec des collègues qui sont médiévistes, qui s'intéressent au Moyen-Âge, à la littérature Moyen-Âge. Et on a constitué un très gros corpus de romans de chevalerie, justement. Okay. Il y a des chevaliers, des dragons, des demoiselles, des nains, des elfes. Et c'est du vrai roman de chevalerie écrit en ancien français, en moyen français, puis en français préclassique. Donc on est du XIIIe au XVIe siècle. Ouais. Et l'idée, alors ça c'est en cours de constitution, le corpus est finalisé. Et ce qu'on fait nous, alors on a choisi des textes, bien évidemment, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la représentativité des corpus, on a pris des romans de chevalerie ou les questions de chevalerie, on est bien d'accord. Oui, oui, oui. Et qui sont écrits en prose et non pas en vers. Ça, ok, j'ai un peu honte parce que j'ai une sœur agrégée de lettres, mais je ne sais pas faire la différence entre prose et vers. Tu peux nous le dire. La poésie en vers. Et la prose, ok, c'est voilà. Bon, ça va. Tu sais pas si vous avez le chat, mais j'ai. C'est la connaissance que tu as, mais que tu ne sais pas que tu as. Oui, voilà. C'est voilà. Ça. C'est comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir dans Le Bourgeois Gentilhomme. Ok, d'accord. Voilà, bon, bah, c'est la prose. C'est un mix. Voilà. Donc, ce corpus-là, on l'a constitué. Et ce qu'on veut faire maintenant, c'est le rentrer dans un logiciel, parce qu'on fait de la fouille outil, et parce qu'on est moderne maintenant, même si on travaille sur des vieux états de langue. Oui. On est moderne, on utilise les outils numériques. Oui, oui, oui. Voilà. Bah, ce qui est la réalité dans la recherche, même quand on travaille sur des sujets anciens, c'est pas pour autant qu'on va le faire avec les moyens de l'époque. Hein. C'est ça. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de le rentrer dans un outil de fouille textuelle, parce qu'on a des outils qui permettent de fouiller, et on lui demande de faire ressortir. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, je travaille sur ce qu'on appelle la phraséologie, c'est-à-dire toutes les séquences qui sont plus ou moins figées dans la langue, ou en tout cas où il y a une association privilégiée entre deux mots. Okay. Alors, des exemples en français, je peux vous en donner contemporains. On va dire un nez aquilin. Aquilin, c'est le seul adjectif, c'est le seul moment où on va l'utiliser, c'est pour qualifier le nez en forme d'aigle, hein, de bec. Hein. Okay. Y a des séquences qu'on va dire figées, pour faire simple, où, alors on connaît très bien les expressions figées type au fur et à mesure. Ouais, du coq à l'âne. Du coq à l'âne. Voilà. Donc, après, tu peux les défiger, effectivement. Le canard enchaîné adore défiger des expressions figées. Okay. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ces expressions-là, justement, le figement en cours, le défigement, et donc on s'est dit on va travailler sur les romans de chevalerie pour étudier un petit peu alors la terminologie de la bataille, donner des coups, prendre des coups, recevoir des coups, voir s'il y a vraiment une persistance ou une évolution, parce que la langue évolue comme c'est pas les mêmes états de langue, surtout pour les domaines comme la bataille où la bataille évolue aussi les techniques de bataille. J'ai un doctorant qui a commencé une thèse sur l'armement. Alors lui il prend un corpus du latin classique jusqu'au français contemporain, il travaille sur des corpus historique, sur des chroniques historiques, et il essaye de voir, enfin là il a commencé sa thèse, l'idée c'est de voir s'il y a une évolution, alors forcément qui va de pair avec l'évolution technique, mais ça on n'invente rien, mais d'essayer de voir si dans les verbes qui sont combinés avec les noms d'armes, il y a une évolution, et ça permet de comprendre en fait l'évolution du sens du verbe, comment il bouge dans le temps, voilà. Donc ça fait partie de mes recherches, de comprendre comment les associations de mots finalement bougent dans le temps, il y en a qui disparaissent, il y en a qui réapparaissent, il y en a qui se modifient, pour essayer de documenter la langue, parce que la science c'est apporter de nouvelles connaissances, un nouveau savoir, donc documenter l'évolution de la langue sur un domaine où ça a été très peu fait, c'est-à-dire l'évolution des combinaisons lexicales. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur les phénomènes de combinaisons, ce qu'on appelle la grammaticalisation, c'est-à-dire que finalement on va avoir des mots libres et on va les utiliser comme mots-outils. Si vous prenez un exemple tout simple, le connecteur, enfin l'adverbe « cependant », vous le connaissez. « Cependant », si vous le décomposez, c'est « ce », le déterminant démonstratif, « ce, ceci, cela ». Et puis, c'est un participe, une forme verbale pendant du verbe « pendre ».
Okay. C'est pendant ce temps-là. Eh oui, c'est vrai. Voilà. Et après, ça a été complètement aggloméré, figé. Autre exemple, lierre. Alors, il y a un bel exemple, la plante, le lierre. Ouais. Eh ben, au départ, en ancien français, le nom de la plante, c'est lierre, I-E-2-R-E. Ouais. Il y avait un article devant. On a collé tout ça, et on a recollé un autre article devant. Dans le lierre, en fait, il y a deux articles. Ok, okay, le lierre. Voilà. Il y en a plein des choses comme ça. Alors ça, le lexique, ces choses-là ont été très bien étudiées. En revanche, les associations de mots à travers le temps, voilà. Ça a été beaucoup moins. Ouais. Donc c'est mon travail de chercheur, okay. Il est là-dedans. Voilà. Et là, il y a une question qui fera peut-être guise de conclusion et qui s'adresse peut-être... À l'écriture inclusive. Ouais. Voilà. Alors... première chose que je dis à mes étudiants, puis à certains de mes collègues qui parfois ont tendance à déraper, c'est que le militantisme, c'est très bien, la science, c'est très bien, mais il ne faut pas mélanger les deux. Ah, ça, c'est c'est-à-dire qu'on ne va pas militer au nom de la science, et on ne fait pas de la science au nom du militantisme non plus. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut bien séparer les deux activités. L'écriture inclusive, moi, ce que j'ai... Alors, à la maison d'édition, on a autorisé les chercheurs, on a un bouquin sur les luttes féministes. C'est trois femmes qui l'ont écrit en vulgarisation, qui ont voulu utiliser l'écriture inclusive. Donc, on a mis en place avec elles un protocole d'écriture inclusive pour que ça soit lisible pour le lecteur. Donc, ça, c'est possible. L'écriture inclusive, qu'on l'utilise dans la vie de tous les jours, pourquoi pas dans les échanges de mails, bonjour à toutes, pourquoi pas. En revanche, il y a quelque chose que je dis à mes étudiants, c'est cognitivement pour moi, parce que je suis de la vieille école, quand j'ai un devoir ou un mémoire de master ou une thèse, ça heurte mon flux de lecture. Donc, moi, utiliser, vous pouvez mettre les étudiantes et les étudiants, ok, mais le point médian pour moi, c'est ça me ralentit dans ma lecture et j'ai besoin d'avoir, de progresser dans vos raisonnements pour savoir comment vous raisonnez, comment vous avancez sur le plan logique. Et ça me fait bloquer. Ouais. Donc, on leur dit, ça, c'est pour moi. Après, je vous empêche pas de l'utiliser où vous voulez. Ouais. Mais en tout cas, dans des écrits académiques, scientifiques, on est évité pour moi. Après, il faut que avec les autres, s'ils voyaient avec mes collègues, s'ils les acceptent. Mais moi, ça me ralentit dans ma lecture et ça m'empêche de faire mon travail de correction et d'aide et d'accompagnement de recherche. Voilà. Et sachant qu'on n'a pas grand-chose non plus, voilà, y a pas, en tant que chercheur, il n'y a pas d'avis à formuler. À la limite, on peut l'étudier. On a des chercheurs. J'ai un collègue à Nancy, Christophe Benzitoun, qui a écrit un tract, qui est sorti un tract l'année dernière avec un certain nombre de chercheurs, puis des grands ponts de la recherche en histoire de la langue, Bernard Combette, enfin d'autres, voilà, où ils expliquent que non, l'écriture inclusive, ça va pas à l'encontre de la langue, c'est juste une manière, une autre manière qu'on a d'écrire. Ouais. Après, c'est comme dans tous les, ce qu'on appelle les registres de langue qu'on apprend aux primaires et aux secondaires aux enfants, c'est-à-dire que il y a des endroits où on utilise tel registre, telle manière de faire, il faut juste trouver le bon endroit où l'utiliser. La bonne manière. Ouais. Alors moi, en revanche, si l'écriture inclusive permet de créer des places en crèche et de doubler le salaire des femmes, je suis pour. Mais c'est pas le cas, ça marche pas comme ça. Non, c'est certain. Et alors peut-être là, c'est juste une bonne idée pour finir. Quel est ton mot préféré? Clarinette. Clarinette. Oui. Ok, pourquoi? Parce que j'en joue. Ok, d'accord, ok. Ah, mais du coup, tu le préfères parce que tu en joues? Oui. Enfin, moi, je préférerais plutôt, alors je sais pas dire quel est mon préféré, mais moi, c'est plutôt la sonorité, je dirais. Ah, le son. Oh, alors non, j'ai pas de. Ah ouais, non? Ah non. Non. Ah, c'est mon mot préféré parce que ça fait du sens pour moi. Ouais, mais c'est de la sémantique, j'étudie le sens, donc pour moi la clarinette a beaucoup de sens. Ouais, ok, très bien. Clarinette. Je sais pas, vous dans le chat, c'est quoi? Effectivement, c'est musical. Merci à Julie, merci d'être passée. Qu'est-ce que tu en as pensé un peu de ce petit moment sur Twitch pour une première? C'est rigolo, ça m'a fait prendre l'air entre des pleins de trucs sérieux. Ouais. Bah, c'est l'avantage, c'est qu'on est un peu détendu et c'est pour ça qu'on aime bien ce format, voilà. Allez, vous pouvez lancer une petite pluie des votes, comme ça, elle aura l'expérience. Merci à vous, c'était très drôle. Ouais, bah très bien.